base, le Tech Ball, c'est un concept sportif où on propose 5 sports différents qui part du football jusqu'au handball, tennis, tennis de table et volleyball. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est en activité avec les filles de ma mère et elles commencent à s'adhérer, elles viennent de s'initier à la discipline. Et on peut voir que c'est un sport qui est très adapté aux filles comme aux garçons, aux enfants aussi. À partir de 6 ans, 7 ans, on peut commencer à travailler. Différents sports, bien sûr. Et aujourd'hui, ben, ce qu'il y a comme chose très intéressante, c'est par rapport aux facteurs que le Tech Ball peut apporter lors de disciplines comme le football, par exemple. C'est un sport qui peut être un complément, mais c'est aussi un sport à part entière. Un sport à part entière, pourquoi? Parce que nous avons des compétitions nationales et internationales. Nous avons une Coupe du Monde qui est organisée toutes les années par la Fédération Internationale de Tech Ball. Et nous avons différents événements internationaux comme la Lupa Beach, comme la Asian Beach Games qui auront lieu en 2020, ou la African Beach Games qui auront lieu cette année en 2019. Et voilà, on est en progression par rapport au développement du sport. Nous développons de jour en jour nos possibilités et nous nous rendons compte aussi que non seulement il y a un aspect ludique, fun, amusement, mais aussi un aspect technique, tactique, coordination, motricité, communication très important. Donc il y a énormément de facteurs qui sont reliés à la personne. Et ça, c'est la chose qui nous intéresse le plus par rapport au développement du Tech Ball, c'est que nous pouvons en faire un sport à part entière, mais aussi on peut prendre son parent, son père ou sa mère et développer tout simplement une activité intergénérationnelle entre parents, enfants, etc. Donc, le Tech Ball est né de trois personnes, du moins deux personnes hongroises qui ont inventé ce concept qui s'appelle Victor et Gabor. Et ces deux personnes ont réussi à promouvoir une table qui parle d'elle-même, comme vous pouvez le voir. Une table très dynamique, très intéressante, très robuste, avec une bonne qualité, et où on peut jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Tout est adapté pour pouvoir pratiquer le Tech Ball. Et non seulement le Tech Ball, mais comme je disais tout à l'heure, le Tech Volley, le tennis, le handball. Voilà, ce sont des sports où on peut le pratiquer sans problème. Donc les entraînements de gardien, quand on est tout seul, on n'a pas d'entraîneur, ou du moins une personne, un coéquipier pour s'entraîner, on peut aussi la travailler tout seul en faisant des mouvements, tac, tac, et on travaille. Et aussi, bien sûr, on peut aussi travailler, c'est-à-dire tout seul la technique. Et après, on peut travailler aussi, comme je disais avant, les gardiens. Et on travaille tout ce qui est possibilité de tir, passe. Et bien sûr, précision. Et voilà. Luxembourg, nous allons prochainement organiser 3 compétitions pour les corporate, pour les enfants, les jeunes à partir de 12 ans, et pour tout ce qui est club de foot, association. Donc nous avons 3 tournois différents qui vont être appliqués prochainement, le 8 juin. Et on est en plein développement, on a des formations d'arbitres très intéressantes et importantes. On est en train de faire la création, de créer des clubs de Tech Ball pour pouvoir prendre un exemple, un club de foot de ma mère qui puisse utiliser une section Tech Ball pour pouvoir participer à nos événements. Donc je n'ai aucun doute là-dessus que, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'adeptes et de personnes très intéressées à pouvoir développer. Et je pense que le Tech Ball a sa place au Luxembourg, non seulement au Luxembourg, mais dans le monde entier. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations au sujet du Tech Ball ou du développement, nous avons le site www.techball.com ou bien le site de la Fédération luxembourgeoise de Tech Ball qui va être créé prochainement. Donc, dans les réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous trouver via Instagram ou Facebook. Il suffit juste de taper Tech Ball et vous trouverez toutes les informations nécessaires à notre développement et à la stratégie de Tech Ball.